Good morgen, allez, Iden, tu seras aujourd'hui le Lunishmat, Mouvelami, Shmuel, Ben Shalom Azalman, Shalom Minamin, Ben Mazal, ainsi que les refouat, Refel, Zoulun, Ben Chayamani, Amiram Bat, Rasila, Dov, Ben Yudit, et Sarabat, Betir, Kam, Betor, Shah, Chol, Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah protectée à la 5e minute éternelle, nous étudions la Sarat Kolin, Perikut, Bet, Mishnah Dalet. Hanotel, M, à la Banim, Rabbi Yoda, Omer, Loke, Veeno, Meshaleach, la Chachamim, Ori, Meshaleach, Veeno, Loke. Zaklal, Kol, Mitzvat, Lota, Sechesh, Bakumase, En, Lokin, Alav. On commence par traduire tout de suite, vous n'allez pas vraiment comprendre ce qui se passe au début, mais parce que l'essentiel de la Mishnah, en fait, la grande règle, elle se trouve dans la fin de la Mishnah. Donc j'ai un intérêt à tout traduire, arriver là-bas, après on reviendra en arrière. Hanotel M. Alabanim, celui qui prend la mère alors qu'elle était sur les œufs. Rabbi Yoda nous dit, eh bien, Loke Veeno Meshaneach, il sera frappé, on sera les 39 coups parce qu'il a 350 parties de la Torah. Veno Meshaneach, il n'aura plus besoin ou plus lieu de renvoyer pour réparer son erreur. C'est trop tard. Tandis que Vachachamim Orim, Chachamim Orsen, Meshaleach Veeno Loke. Chachamim te dit non, bah putain, tu vas pas te frapper pour ça, aucun problème. Puisque tu as la meilleure dans la main maintenant, bien renvoie-la, et comme ça tu ne recevras pas les coups. Zéaklal, telle est la règle. Et là, c'est par là qu'il va falloir commencer. Kol Mitzvat Lota Asseche, Shbakumase, toute mitzvah négative de la Torah. Où il y a ensuite un kum assez, la Torah elle m'a donné aussi la possibilité d'accomplir une mise en positive ensuite. Je traduis, on explique ça juste la règle. Et donc, Léa, on ne se fera pas frapper sur une transgression pareille. On va prendre un exemple concret. Le korban Pessah, il faut le manger dans la nuit du 15 Nissan. Et au petit matin, l'avoir fini complètement, même peut-être d'après Khatsot, même c'est une marque loquette. En tout cas, au moins au petit matin, tu dois l'avoir fini complètement. La Torah elle m'a explicité. Mais l'autre aussi, remuez-nous à Boker. Vous ne nous en laisserez pas jusqu'au petit matin. Jusqu'au matin. Eh bien, et la Torah m'a donné une mitzvah là-bas très originale. Parce qu'après m'avoir dit, tu veux l'autre aussi, remuez-nous à Boker. Enfin, notre remuez-nous à Boker, ben je t'y sois fou. Vous n'en laisserez pas jusqu'au petit matin. Et si on restera jusqu'au petit matin, eh bien, vous le brûlerez au feu. Alors, il y a un problème. C'est que tu me dis de ne pas faire une chose. Donc, mitzvah, l'autre assez, je transgresse. Et après, tu me dis de faire une mitzvah. Mais de manière à ce que le seul moyen d'accomplir la mitzvah, c'est d'avoir transgressé auparavant. Eh bien, dans ce cas-là, on a une règle que ça s'appelle un lave anita classé. C'est un lave, une transgression, une mitzvah négative, qui est rattachée à un AC, réparée par un AC. Anita qui se fait interrompre par un AC. C'est-à-dire, il y a donc, la Torah elle m'a donné donc des chaque fois qu'on transgresse d'abord, chaque fois qu'on transgresse un interdit de la Torah, un lota, c'est une mitzvah négative, on est en théorie frappé sur cette avéra. Maintenant, il y a des exceptions à la règle. Une des exceptions à la règle, c'est ce qu'on est en train d'évoquer avec l'histoire du korban Pessah, que la Torah te dit, tu ne feras pas ça. Et si tu l'as fait, tu feras ça. Eh bien, je déduis de là que tu ne feras pas ça. Et si tu l'as fait, tu pourras réparer ta faute et accomplir de la sorte en faisant ça et ça. D'accord ? Si je reste sur le korban Pessah, la Torah m'a interdit de laisser traîner du korban Pessah. Mais malgré tout, elle m'a dit, mais si toutefois il t'en est resté, eh bien, sache que tu ne seras pas frappé sur la faute, parce que tu pourras la réparer en brûlant tout ce qui te reste. Selon le même principe, maintenant, on revient dans Shiloh Hakel. Qui karekan tzipor al, je sais plus, al etz, efrochim ou betzim, al haaretz, vaem rovetzet al efrochim le tikachem al abanim. Quand tu rencontreras sur ton chemin un nid où il y a dedans soit des moutons, soit des oisillons, soit des œufs. Et que la mère est en train de les couver, eh bien, la Torah me donne un interdit en me disant l'otikachem à la banim, t'as pas le droit de venir prendre la mère et la prendre pour toi. C'est trop traître, c'est achzari, c'est cruel. Tchalach, t'échalach, et ta banim tikachalach. Si tu veux, je te permets de, je te suppose même de renvoyer la mère, et une fois que tu auras renvoyé la mère, tu peux ensuite prendre les petits. Donc, j'ai pas le droit de venir tout prendre en même temps, j'ai pas le droit de venir prendre la mère que la mère. Je dois renvoyer la mère, et prendre les oisillons ensuite si je veux, ou les œufs. Maintenant, la Torah, elle m'a dit, il s'avère que la Torah, elle m'a dit, tu ne prendras pas la mère, et tu renverras la mère. Il y a un problème technique. Je ne peux envoyer la mère, apparemment, telle est la lettre Khamim, je ne peux envoyer la mère que si je l'ai d'abord prise dans les mains. Donc en fait, la Torah, elle m'a dit, tu sais, la mise à Tchulor Haken, tu commences d'abord par transgresser un interdit, en fait, par faire le même acte, avec sans l'intention de l'acquérir, mais tu vas commencer d'abord par la prendre. Même s'il y a apparemment un interdit de l'otikachem à la banim, tu as le droit de prendre une mère tant qu'elle est sur ses enfants. Mais malgré tout, shalach teshalach ta'em, lorsque tu vas ensuite la renvoyer, ensuite, il va s'avérer maintenant que tu vas réparer ta faute.
Ça, c'est la vie de Chachamim. Qu'on a devant nous un lave anita classé. Un lave qui est rattaché à un C qui se fait interrompre par un C. Une mitzvah négative qui s'interrompt par une mitzvah positive, car la mitzvah positive va réparer la faute que tu as faite. Telle est la vie de Chachamim. Selon Rabbi Yehuda, ça ne marche pas comme ça, c'est pas vrai. Lorsque la Torah t'interdit de prendre la mer, et que la Torah t'a imposé de renvoyer la mer, ça n'implique pas de d'abord prendre la mer. Tu peux très bien, par exemple, partir, et prendre la mer, ça signifie la lever, la soulever, l'acquérir. Là, maintenant, tu peux aussi très bien parler que, on parle aussi, que la Torah parle du cas où le nid, il est posé là sur l'arbre, et je vais pousser la mer pour la faire partir, sans l'acquérir. Donc, je ne l'aurais pas prise. Donc, je n'aurais pas transgressé l'interdit de l'otikachem à l'avanim. Donc, en fait, puisque je peux accomplir la mitzvah assez de renvoyer la mer sans avoir besoin de passer d'abord par la transgression de ne pas prendre la mer. Alors, dans ce cas-là, la mitzvah assez ne vient pas réparer le lave. C'est deux choses distinctes. Il y a un interdit de prendre la mer et il y a une mitzvah de renvoyer la mer. Et si toutefois tu as pris la mer pour la garder pour toi, eh bien c'est trop tard, tu auras transgressé l'interdit de prendre la mer, mais tu n'as aucun intérêt à renvoyer la mer ensuite. Parce que ce n'est pas une mitzvah lave et une mitzvah classée, d'accord? C'est deux choses distinctes. Tandis que d'après Chachamim, non, les deux ils vont ensemble. La Torah t'a dit, tu ne prendras pas la mer, et que si toutefois tu l'as prise par erreur, eh bien tu pourras la renvoyer ensuite. Telle est la vie de la marque Tanakamé Rabbi Yehuda. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Aslachakol, tout, c'est là.